Est-ce que les matchs à huis clos ont un impact dans les résultats finaux des matchs de football international? Tu as peut-être un avis sur cette question. Tu en as peut-être aussi rien à foutre. Mais dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, la valeur de cette vidéo ne se trouve pas dans la réponse à cette question. Du coup, ton avis, pour ton potentiel avis, tu as deux choix pour l'exprimer. Soit premièrement, tu es plutôt du genre à aller te commander un café noisette au bar PMU de ton quartier et aller essayer de le clamer plus fort que celui pensant l'inverse de toi. Ou soit, tu peux essayer de le structurer à partir de data existantes, et dans ce cas-là, même en le murmurant, la personne au timbre de voix baryton t'écoutera. Et donc, c'est cette seconde option que l'on va voir ensemble. Premièrement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment, avec 2-3 requêtes sympathiques sur Google, je vais me doter d'un jeu de données qui fera le taf. Comment, derrière, avec 2-3 fonctions sur Excel, je vais préparer mon jeu de données. Et enfin, comment, depuis un logiciel de BI, Tableau Software, pour ne pas le citer, je vais pondre un graphique animé qui permettra d'étayer mon propos et de fermer des bocas de Levallois à Cannes-la-Bocca. Première étape, les amis, rendez-vous sur tableau.com afin de pouvoir télécharger une première version d'essai de ce logiciel. Donc, cliquez sur Essai maintenant. Laissez votre email, hein. Je précise qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer un client email pro, hein. Vous pouvez rester sur votre client email gratuit, type gmail.com, hotmail.fr. Et si vous disposez de justificatifs prouvant que vous êtes enseignant ou étudiant, vous pouvez ici demander l'accès à une licence d'un an qui vous sera donnée gratuitement. Donc ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à user de cela afin de pouvoir dans le temps monter en compétence sur ce logiciel. Une fois que vous avez cliqué sur télécharger, on se retrouve avec un logiciel prêt à être administré. Une fois l'installation terminée, je vous laisse ouvrir le logiciel. J'imagine que vous n'avez pas eu besoin de moi pour le téléchargement. Néanmoins, si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et je tenterai d'y répondre autant que je peux. Après avoir rempli le formulaire, je vous laisse démarrer l'essai. Alors, sur la partie droite de l'écran, vous pouvez retrouver tout un pan de ressources visant à vous onboarder, à prendre en main convenablement ce logiciel. Dans notre cas, on va faire les étapes step by step et commencer par se connecter à une source de données afin de pouvoir l'analyser et la faire visualiser ensemble. Et ce qui a pu déjà peut-être attirer votre attention à ce stade, c'est que vous disposez d'une large base de connecteurs natifs vous permettant de vous connecter à la source de données. Hein, en effet, vous pouvez vous connecter à tout un tas de fichiers, hein, quel que soit le format. Hein, on parle de Excel, on parle de JSON, on parle de PDF, mais également, vous avez la possibilité de vous connecter à tout un tas de serveurs, hein, depuis des bases PostgreSQL, depuis votre compte Google Analytics, votre compte Google Ads, Google BigQuery, Amazon Redshift. Ce sont des connecteurs en natif, hein, c'est-à-dire qu'il vous suffit juste de remplir les ID et directement vous êtes connecté à, ici dans ce cas, votre serveur. Et afin de rester davantage synchro, je vais même vous proposer de partir sur une base de données commune. Pour ce faire, il faut répondre à la question où trouver sa base de données, son jeu de données. Et bien, comme souvent, lorsque vous avez une question, Google a la réponse. Et il faut en effet avoir en tête que depuis 2018, Google met à disposition un moteur de recherche de base de données. Donc, je vous invite à garder en tête cette URL qui est véritablement un moteur de recherche de jeu de données. Dans notre cas, on va taper le mot-clé football et voir un peu ce que ça nous propose. On peut également disposer de filtres. Alors, disons qu'on va choisir les jeux de données datant de moins d'un mois. Et j'ai bien envie de craquer pour celle-ci, hein. On a quand même 40 000 lignes. Il va y avoir de la donnée. Donc, ça nous redirige vers le site qui héberge ces données. Et une fois arrivé, je vous invite à prendre connaissance un peu plus en détail du jeu de données.
À savoir que Kaggle est une plateforme qui dispose de nombreux jeux de données. Hein. Si vous êtes un peu amateur de ce type d'exercice, vous devez certainement déjà la connaître. Si besoin encore de vous convaincre, hein, je vous invite à regarder en bas de l'écran l'aperçu du jeu de données. Et je peux vous confirmer que ça va totalement le faire pour une première prise en main de tableau. Donc avant de télécharger, j'ai m'enregistré sur cette plateforme. Alors il me semble que je me suis déjà logué avec une adresse Gmail. On va voir ça rapidement. Ouais, c'est le cas. Et donc je vais demander de télécharger ce jeu de données. Le voici sur mon bureau et on va à présent le cleaner ensemble. Alors petite parenthèse, mais il faut savoir que Tableau propose depuis plusieurs années un outil dédié à la préparation de données, Tableau Prep. Malgré tout, je recommande toujours, hein, de façon très très humble et simple, de autant que possible préparer en amont vos données quand c'est assez facile comme ça, hein, depuis Excel. On va commencer déjà à convertir ce fichier CSV en fichier XLS plus standard. Donc pour affecter une donnée, un champ à chaque colonne, on va commencer par convertir le fichier autour de délimiter et on va séparer nos valeurs par des virgules. OK. Je vais mettre un peu en avant de façon totalement arbitraire les en-têtes de champ. Je vais même me figer cette première ligne puisque vous le voyez, nous disposons quand même de plus de 41 586 matchs que l'on va pouvoir analyser. Si vous le souhaitez à ce stade, il peut toujours être sympa, hein, de corriger ici dès maintenant les erreurs d'encodage. Dans ce cas-là, par exemple. Mais je vois que vous êtes pressé, passons davantage à ce qui sera décisif. Moi, j'ai bien envie d'essayer de voir des tendances se créer dans le temps, puisqu'on constate qu'on a toujours la valeur de la date. Et on pourrait même imaginer, vu que l'on a l'information de l'équipe qui reçoit, de l'équipe qui se déplace, du score final et de la localisation du match, pourquoi pas se demander si depuis 2020, crise sanitaire et match à huis clos, on ne trouve pas une nouvelle tendance qui pourrait être que les matchs à huis clos cessent d'avantager l'équipe qui reçoit, puisqu'ils ne peuvent plus compter sur le soutien de leurs supporters. Hein? On va pouvoir, pourquoi pas, tester ça. Donc, première étape, essayer d'isoler la date. Donc, on va commencer un peu par voir comment se présente l'ensemble des données. Ce que je vous invite à faire, c'est un petit filtre sur l'ensemble de vos champs. Première constatation, et en effet, hein, c'est du fait d'une des spécificités du logiciel Excel. C'est que Excel débute ses dates, hein, au 1er janvier 1900. Hein, il faut se rappeler que c'est seulement la suite Microsoft, Bill Gates a développé ça et a créé ça seulement à la fin des années 80. Il me semble qu'on y piège uniformiser les années de match. Donc il existe certainement différentes façons de procéder. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire, hein, au plus simple, au plus précis. On n'est pas là pour apprendre à travailler sur Excel. Hein, donc j'insère ma nouvelle colonne que je vais nommer année et je vais commencer par me préoccuper des dates du 19e. Parce que dans mon malheur, j'ai une chance, c'est que mon fichier est ordonné de façon chronologique et donc on peut imaginer simplement isoler ici mes quatre premiers chiffres, hein, qui vont me donner l'année et user de la recopie incrémentée jusqu'au début du 20e siècle. Et à présent, je n'ai juste à me servir de la formule année.
Vous avez vu, vous n'avez plus qu'à recopier cette formule et surtout à mettre l'ensemble de vos cellules de la colonne au format nombre. Donc, format de cellules et nombre. Et du coup, inutile de laisser des décimales. Là encore, cliquez deux fois pour utiliser la recopie incrémentée. Et tant qu'on y est, je vous invite à directement faire apparaître sur ce fichier l'information du vainqueur du match. Hein, on a en effet le score de l'équipe qui reçoit, le score de l'équipe visiteuse. Il nous reste juste à appliquer une règle à base de si afin de directement afficher qui est le vainqueur du match. On va encore insérer une nouvelle colonne qu'on va nommer cette fois-ci, disons, affichage. Bon, j'aurais certainement pu trouver mieux, mais bon, là encore, ce n'est pas l'enjeu. Et on va faire ensemble une formule, cette fois-ci, six conditions qui devraient faire très bien le taf. Alors, six conditions, car on va appliquer plusieurs tests logiques. Le premier, c'est si l'équipe qui reçoit un score, on va commencer dans l'ordre, un score supérieur à l'équipe visiteuse, hein, vous me suivez jusque-là. On va faire un fichier, la mention domicile, car disons que le vainqueur est l'équipe qui joue à domicile. L'avantage d'une formule 6 conditions, c'est que l'on peut donc placer différentes tests logiques sur la même cellule. Et donc, on va afficher à présent le cas de figure où l'équipe recevant a le même score que l'équipe se déplaçant. Et cette fois-ci, on va faire afficher match nul. Enfin, on va clôturer avec le cas de figure où l'équipe jouant à domicile marque moins de buts que l'équipe se déplaçant. Cette fois-ci, on sera dans le cas de figure de extérieur, disons. Alors, est-ce que notre formule marche? Yes, cool. Ça a l'air d'être le cas. On va l'étirer un peu. Là, on devrait avoir extérieur. Parfait. Est-ce qu'on a un match nul dans le secteur? Ouais, on a un match nul en bas ici. Bon, bah super. On n'a plus qu'à étirer cette formule. Hein, vous voyez, hein, encore une fois, c'est assez simple. Hein, on ne réinvente pas la roue. Ouh là 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 là, mais une dimension m'a échappé. En effet, vous le voyez, cette colonne, elle permet de préciser si l'équipe affichée comme recevant a bien reçu ce match sur son pays national ou alors sur un tiers pays. Hein, dans ce cas-là, on constate que le match Hollande-Pays de Galles s'est déroulé à Motherwell et donc c'est bien en colonne. Donc on n'est pas en terrain neutre. Mais si l'on conserve des valeurs vraies, eh ben, on constate que dans ce cas-là, Chili-Uruguay, ça s'est déroulé en Argentine et donc ça met à mal mon modèle. En effet, hein, le but, c'est d'essayer de prouver que les spectateurs ont un impact sur le déroulé du match et le score final. Et donc, il faudrait exclure ces matchs étant déroulés sur des pays tiers. Hein. On en trouve, j'imagine, beaucoup lors d'événements internationaux, des compétitions. Hein, en 1962, par exemple, hein, la Coupe du Monde se déroulait au Chili. Et donc, on peut donc exclure tous ces matchs à part pour l'équipe nationale chilienne. Hein. Vous me suivez, j'espère, jusque-là. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à me balancer des questions dans les commentaires. Et on va donc rajouter, si vous le voulez bien, une nouvelle colonne ensemble. D'ailleurs, au passage, je constate que j'ai également fait une erreur d'inattention lors de l'application de ma formule 6 conditions, puisque j'ai fait démarrer ma formule seulement à la ligne 119 au lieu de la faire démarrer à la ligne 2. Donc, c'est pas grave, je me rends compte, je peux l'étirer jusqu'à la ligne 2. Mais en règle générale, hein, ça vous rappelle d'éviter d'utiliser trop longtemps les filtres, car on multiplie le risque d'erreur comme celle que je viens de vous dérouler sous vos yeux. Hein, erreur sans conséquence puisqu'on s'en rend compte à temps. Donc allons-y pour ajouter une nouvelle colonne que l'on va nommer cette fois-ci, disons, impact spectateur. On va simplement appliquer une formule si, puisque cette fois-ci elle n'aura à s'appliquer que sur une seule condition. Est-ce que ça apporte satisfaction? Ah et oui, j'ai des valeurs vides. Voyons voir à quel moment elles apparaissent. Eh bien, parfaitement,
lorsque un terrain neutre est renseigné. Donc ça me plaît. Et là, on est bon, on va pouvoir rebasculer sur tableau. Avant de se faire, pensez bien, hein, on ne le dit jamais assez, mais à bien enregistrer votre document, votre fichier au format XLS. Hein. C'est possible d'importer directement des formats Excel sur tableau. Et on va faire, on va le nommer, ben, dans mon cas, ce sera vidéo YouTube, puisqu'elle est destinée à ce petit tutoriel que je vais vous partager sur ce cher réseau. À ce stade, ce que j'apprécie de réaliser, c'est un dernier tour du propriétaire du jeu de données que l'on souhaite analyser avant d'aller l'injecter sur notre logiciel de BI. Dans notre cas, on se trouve sur Excel et souvent, ce qui est le plus commode, le plus pratique, c'est de directement insérer un tableau croisé dynamique afin de confronter les différentes colonnes que l'on souhaite analyser. Une des valeurs cardinales dans notre hypothèse, qui je le rappelle, est de chercher à prouver au vu des matchs à huis clos s'étant déroulés en 2020, l'importance des supporters dans un stade de football pour impacter le résultat final d'un match. On va donc choisir de placer les années en ligne et de voir à peu près comment notre fichier de données est réparti en fonction des années. On peut voir que cette répartition est assez inégale puisque finalement, plus on avance dans le temps, plus on a de matchs. Hein. Comme le disent certains, on a de plus en plus de matchs, mais de moins en moins de football, malheureusement. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Néanmoins, on peut s'apercevoir d'une première faille de notre fichier puisque notre année 2020, hein, l'année où l'on va chercher à prouver notre hypothèse, hein, qui doit donc être discriminante, on a peu de données, hein, puisqu'on a seulement 267 matchs internationaux sur ce jeu de données. Et en plus, je suppose que certains se sont produits durant peut-être les deux premiers mois de l'année, où finalement très peu de pays avaient appliqué des mesures sanitaires. Et donc, ces matchs-là n'étaient pas en huis clos. Bref, on a confiance, on a conscience plutôt, mais on reste confiant, évidemment, mais on a conscience des différents biais que comporte notre fichier. Ça ne va pas nous empêcher à basculer sur Tableau. Néanmoins, avant de déployer des efforts, je vais bien valider mon intuition rapidement en deux temps, trois mouvements, comme on dit. On va tout simplement glisser Impact Spectateur en filtre et on va exclure de ce filtre tout ce qui est de valeur nulle afin d'ensuite mettre Impact Spectateur en colonne. On va demander dorénavant d'avoir un affichage non plus des matchs s'étant déroulés chaque année, mais plutôt d'avoir une répartition en pourcentage par ligne des différents vainqueurs en fonction du fait qu'ils ont reçu ou qu'ils se sont déplacés durant le match. Donc pourcentage de total par ligne. À ce stade, les décimales n'apportent aucune valeur, donc ce que vous pouvez faire ici, c'est aller les retirer. Ensuite, on va copier l'ensemble des données afin de pouvoir dans un second temps les ordonner. Tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Hein. Pensez à bien cocher cette suggestion si ce n'est pas déjà fait. Et je vais donc trier, tri personnalisé. Je vais trier en fonction du score des victoires à domicile le plus faible plus des victoires à l'extérieur le plus grand. Ok. Alors voyons voir de plus près les résultats. Hein. Je vous rappelle qu'on a ordonné les performances des équipes internationales en fonction des résultats qu'ils ont enregistrés lorsqu'ils évoluaient à domicile. Et waouh, 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 super. L'année 2020 est définitivement incroyable en ce sens, puisque vous le voyez, il fallait remonter à 1988 pour voir une année où le nombre de victoires à domicile avait été aussi faible.
Mais en l'occurrence, en 1988, il y avait eu moins de victoires à l'extérieur qu'on en a enregistré en 2020. Donc en ce sens, on peut dire que les équipes évoluant à domicile en 2020 ont moins performé que celles en 1988. Et après, vous voyez, on est simplement sur des années au début du siècle où, on le rappelle, hein, parfois, il y avait très peu de matchs à domicile. Et très peu de matchs en tout, en général sur l'année. Et donc ces données-là sont peu significatives. Autrement, il faut remonter à 1943 afin de voir une année où les équipes évoluant à domicile avaient aussi peu performé. Et là encore, 1943, c'était une année un peu délicate. Donc c'est vraiment parfait. On va définitivement mettre en valeur des données parlantes sur tableau. On rebascule à présent donc sur Tableau et on va demander d'aller chercher notre fichier Excel vidéo YouTube qu'on vient juste de peaufiner ensemble. Vous voyez le traitement se réaliser et directement notre jeu de données est disponible ici. Hein, vous pouvez le mettre à jour pour voir apparaître les premières valeurs en dessous de chaque en tête de colonne. Magnifique, allons donc créer ensemble notre premier graphique animé sur Tableau. On va accéder à notre première feuille de calcul et on va choisir de faire afficher l'impact spectateur en couleur. On va lui demander d'apparaître en forme de secteur. Ok, très bien. On va ensuite faire glisser le champ qui calcule le nombre d'enregistrements en étiquette ainsi qu'en angle pour permettre la visualisation des données avec les plus grandes récurrences. Ok, ça commence à prendre forme. Ce qu'on va faire, c'est également d'aller filtrer nos données. En effet, on n'a pas besoin des valeurs nulles. Donc, on va glisser. Hein, on voit, hein, c'est très simple. Hein, on reste sur du glisser-déposer, du drag and drop, impact spectateur. On filtre. Là, je vais exclure les champs nuls. Je vais à présent commencer à personnaliser mon graphique. On va modifier les couleurs et donner des couleurs plus parlantes à celui-ci. Par exemple, pour domicile, on va indiquer ce type de vert. Pour extérieur, on va indiquer ce type de rouge. Et pour match nul, on va indiquer peut-être une couleur un peu plus neutre de type ce gris. Allez. Ok. On va choisir de s'exprimer plutôt en pourcentage. Donc on va se rendre dans analyse, pourcentage. Ok. Donc là, déjà, ce qu'on constate, c'est que sur notre ensemble de matchs, parce que pour rappel, on dispose d'une base de données qui comporte en son sein plus de. Alors, il faut se rendre dans Analyse et cliquer sur Toto. Plus de 41 846 matchs internationaux dans sa base. Et notre analyse se porte, hein, puisque vous vous rappelez, on a filtré les matchs neutres. Notre analyse se porte sur 31 530 matchs. Et donc sur ces 31 530 matchs, on a 50, plus de la moitié de ces matchs qui sont terminés par une équipe qui évolue à domicile, plus d'un quart par l'équipe évoluant à l'extérieur et un peu moins d'un quart par un match nul. On va continuer, hein, à mettre en forme notre graphique. On va par exemple appliquer sur une vue entière. Je suis assez dérangé par ces doubles décimales puisque à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'autant de précision. Donc, on va modifier le format. On se rend ici, formater, et on va choisir d'appliquer des pourcentages avec 0 décimale. On peut également changer de police, mettre un noir plus sombre, augmenter la taille également. Mettre en gras, tout ça c'est possible. Alors on va pas passer trop de temps dessus, mais évidemment tous les types de personnalisation sont possibles, hein, aussi bien sur l'alignement, sur la police, sur les bordures, etc., etc.
Et on va maintenant répondre à la question comment créer un graphique animé avec Tableau? Tout simplement en jouant avec le petit onglet page et en y glissant donc notre colonne année. Vous pouvez faire le test. Il suffit d'appuyer sur play pour voir notre graphique prendre jour et s'animer en fonction des années. Alors bien évidemment, vous pouvez totalement formater le rythme de cette animation. Il vous suffit pour cela de vous rendre en format animation et d'accélérer ou de ralentir le rythme des animations. Et pour info, pour sélectionner un des trois principaux formats de vitesse, vous n'avez juste à cliquer ici, hein, ça c'est le plus lent et ça c'est le plus rapide. Je vous invite à ce stade à personnaliser votre titre, hein, cliquez deux fois et indiquez ce que vous souhaitez. Là encore, hein, vous pouvez totalement personnaliser votre titre. Enfin, pour rendre notre graphique plus présentable, on peut également ajouter les libellés de légende directement sur le graphique. Pour ce faire, là encore, glisser-déposer, on va chercher impact spectateur et on va le glisser sur étiquette. Et on le voit, on a directement l'information que en 2020, 27% des matchs internationaux se sont terminés par un match nul. J'aimerais également, voilà, passer quelques secondes pour vous expliquer comment, si vous le souhaitez, vous pouvez générer des graphiques en nano et non en secteur. Hein, je sais que les graphiques en nano sont appréciés par bon nombre d'analystes. Vous le voyez, malheureusement, sur Tableau, il n'y a pas de solution native pour créer un graphique en nano. Du coup, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'ajouter non pas une nouvelle feuille de calcul, mais un tableau de bord, un nouveau tableau de bord, hein, qui nous permet davantage d'agencer notre page de présentation, nos graphiques de la façon que l'on souhaite. Hein. Et on va commencer par glisser notre feuille 1 ici, avant de se mettre en mode flottant et d'aller chercher une image. Donc moi, j'ai déjà ma petite image qui va bien. Et je vais donc à présent la chercher, la récupérer sur mon bureau. Alors voilà, un moyen pas très orthodoxe, mais qui fonctionne. Et après tout, n'est-ce pas ça le but? Donc nous disposons bien à présent d'un graphique animé démontrant que les équipes internationales de football ont réalisé en 2020 leur pire performance à domicile depuis au moins 1943, avec un taux de victoire à domicile ne dépassant guère les 42%. Alors on pourrait encore aller plus loin dans la personnalisation, mais on va déjà s'arrêter ici et j'en profite hein, pour rajouter une bonne pratique, c'est-à-dire bien nommer les champs de ces feuilles de calcul en leur donnant des noms univoques. On va le faire dès à présent. Donc, feuille 2, on a ici. Et puisqu'on est lancé, on va chercher à aller encore plus loin, à pousser dans ces retranchements notre dieu de données, en partant cette fois-ci du postulat que plus un pays a la possibilité d'accueillir un match de football où il pourra assister à de nombreux buts, plus il aura de facilité à aimer le football. Alors là encore, hein, je précise les limites de cette hypothèse, puisque je n'ai aucun indicateur me permettant de renseigner la popularité du football dans un pays. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer sur Tableau, puisque vous le voyez, on aurait pu joindre un nouveau jeu de données qui pourrait pourquoi pas s'appuyer sur le nombre de licenciés de football par an par pays afin d'éventuellement créer ces corrélations. Mais restons simples, hein, on débute, je le rappelle, et on va donc procéder à la création d'un champ calculé pour avoir un indicateur commun, indicateur du nombre de buts marqués par match.
hein, qui est aujourd'hui subdivisé en deux colonnes entre le nombre de buts marqués par l'équipe qui reçoit et le nombre de buts marqués par l'équipe qui se déplace. Donc pour ce faire, très simple, clic droit, crée un champ calculé, on va le nommer nombre de buts et on va simplement additionner plus away score. Vous voyez ici, hein, le tableau nous donne l'indication si le calcul est valide et autrement nous renseigne un peu sur l'erreur qu'on commet. Dans ce cas-là, c'est OK, nombre de buts. On peut, vous voyez, ajouter ce nouveau champ qui est correct, hein, 4 plus 2 égale 6. Très bien. Et on va de ce pas créer un graphique en barre animée sur tableau. Donc on ajoute une nouvelle feuille de calcul. On va glisser nombre de buts en colonne. On va placer country en étiquette. Country en couleur. Donc on voit, on a près de 125 000 buts dans notre jeu de données. Tous les pays sont indiqués dans la partie droite de mon écran. Et avant d'avoir une animation, ce qu'on va faire pour la facilité de lecture de notre graphique, c'est de placer un classement afin d'ordonner à chaque fois les pays dans lesquels ont été scorés le plus de buts. On va pour ce faire utiliser la fonction classement unique de tableau. Créer un champ calculé. Donc la fonction s'appelle rankUnique. Et là, on n'a plus qu'à préciser l'expression. Hein. Vous le voyez, à chaque fois, c'est placé en gras. Donc l'expression, dans notre cas, c'est nombre de buts. Super. Et on va préciser que l'on souhaite un classement par ordre décroissant. Et donc, dans ce cas de figure, là, vous voyez, j'ai une erreur dans mon jeu de données. Alors, il ne faut pas oublier que ce qu'on veut faire, c'est une somme du nombre de buts. Et là, à présent, mon classement, mon fonction est valide. Donc, classement, je vais ensuite le placer en ligne. Je vais changer de façon de procéder et demander d'avoir en repère un graphique en barre. Alors à ce stade, le graphique doit être encore amélioré hein, parce que notamment lorsque plusieurs pays ont la même valeur, ce n'est pas du tout pratique et recommandé de les entasser les uns sur les autres. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va se rendre à nouveau sur notre champ calculé classement et on va le placer en discret hein, puisque finalement un classement, on est soit premier, soit deuxième, on n'est pas, c'est pas des valeurs continues. Et ensuite, on va orienter ce champ calculé en lui demandant d'aller se calculer sur nos pays. Et donc là, directement, on a un classement. Dans ce cas-là, on a les 34 premiers pays qui ont vu le plus de buts sur leur sol. Et on voit par exemple que c'est les États-Unis en tête de ce classement. Pourtant, hein, cette fois-ci, ma théorie ne tient pas vraiment, puisque les États-Unis ne sont pas vraiment un pays de football. Alors que c'est le pays qui, d'après ce jeu de données, a le plus vu de buts marqués sur son sol lors de matchs internationaux de football. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, ils ont accueilli la Coupe du Monde en 1994. La Coupe du Monde en 1994 ne reste pas dans les annales pour son fort taux de buts marqués par match. Hein. On était plutôt à l'époque de la mode du Catenaccio de la Squadra Azzurra. Bref, c'est encore un autre sujet et arrêtons de digresser. On peut apprécier néanmoins la seconde place de la France à ce classement. Allons encore plus loin. Et ajoutons à notre graphique une animation. On l'a déjà vu, il suffit de glisser le champ correspondant, donc dans notre cas année, dans page. Et vous pouvez déplacer votre curseur ici pour vérifier en effet que votre animation va bien prendre vie. On va choisir de mettre un rythme assez élevé.
Et on rentre à présent dans la personnalisation de notre graphique animé. Je peux peut-être vous recommander de rester concentré sur peut-être le top 15 des pays qui ont assisté au plus de buts sur leur sol en cette année en question. Et donc, on va seulement conserver les 15 premiers sur notre graphique. Ok, on a seulement les 15 valeurs les plus importantes. On va mettre notre graphique en mode vue entière et on peut tester et voir que cela fonctionne, hein. En 2020, c'est donc en Autriche qui a eu le plus de buts à domicile lors de matchs internationaux, selon notre jeu de données. J'aurais apprécié peut-être d'avoir la valeur du nombre de buts renseignée. Non, c'est chose faite ici. Et donc, pour un aperçu, on peut relancer notre graphique animé. Et on découvre donc au fur et à mesure des années que l'Angleterre perd du football, perd peu à peu son monopole de terre où on peut voir inscrire les buts des matchs internationaux, puisque au fur et à mesure, on voit un graphique de plus en plus mondialisé, avec à chaque fois une prime pour la nation qui accueille une compétition internationale. Rappelons-nous d'un bon souvenir, si on stoppe le graphique, peut-être sur l'année 98, on va voir la France première de ce classement, puisque la France avait accueilli cette année-là la Coupe du Monde. Le Burkina Faso avait lui accueilli durant l'hiver la Coupe d'Afrique des Nations avec une finale endiablée à Ouagadougou. Ensuite, je peux aller personnaliser mon titre, je vais le nommer. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore à ce stade comme amélioration? Pourquoi pas? À savoir qu'il est possible d'enlever cette petite barre en indiquant que l'on souhaite avoir aucune ligne. Et pour terminer, je vais mettre en exergue les 10 premiers pays du classement en minorant la visibilité des 5 derniers. Pour ce faire, clic droit afin d'ajouter une annotation. On va choisir zone. Alors, petite astuce, moi je vais juste inscrire une lettre afin de pouvoir retrouver cette zone. Bah, là, vous la voyez, elle est ici, c'est simple. Je vais l'étirer et la dimensionner pour qu'elle puisse occuper l'ensemble de l'espace des pays allant de la 11e à la 15e position. Et je vais ensuite renseigner la valeur, disons 40%, ce sera très bien. Je vais effacer les lignes. Et c'est tout bon. On voit, hein, à présent, c'est peu marquant, mais que nos 5 derniers pays sont un peu plus, que nos 5 derniers pays sont un peu plus shady, un peu plus masqués. Et surtout, n'oubliez pas d'effacer votre lettre qui n'a plus d'utilité. Et avant de lancer l'animation, je vais peut-être modifier mes échelles en renommant, allez, disons, le titre. Enfin, si souhaité, sachez que vous pouvez aussi jouer avec la taille des barres, hein, en l'agrandissant un petit peu si vous jugez cela nécessaire. Félicitations, vous venez de créer un graphique en barre animée avec tableau. Pour terminer, je vais renommer ma feuille de classeur. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, il ne vous reste plus qu'à le publier. Et pour ce faire, cliquez sur Serveur. Vous avez la possibilité de publier un classeur si vous disposez déjà d'un compte payant, que vous êtes déjà enregistré. Autrement, si vous n'êtes pas encore enregistré, eh bien, je vous conseille de vous rendre ici sur Tableau Public et d'ouvrir à partir de Tableau Public. Si vous souhaitez créer un profil, vous aurez les indications à suivre à partir d'ici. Autrement, vous pouvez connecter
à ce serveur. On va choisir le serveur de tableau public, hein, qui indique que ces données seront partagées en open data. Connexion. Et je peux enfin publier le classeur que nous venons de réaliser ensemble. Alors, en cas de compte gratuit, en effet, il faut créer un extrait de source de données. Donc, on se rend depuis données. Les requêtes sont en cours et d'ici quelques secondes, on devrait pouvoir accéder à notre travail directement depuis une URL publique. Alors, à noter que l'on a simplement publié notre dernier classeur. Pour être plus exhaustif, vous pouvez une nouvelle fois répéter la démarche. Et voilà votre travail à présent en ligne. Ça en est fini de cette mise en bouche. Au besoin, on approfondira le sujet. J'espère en tout cas que cela vous a été utile, que vous avez appris des nouvelles choses et ne partez pas comme cela. Sans rien sortir de votre poche ni investir de votre temps, vous avez la possibilité de me rendre à votre tour service. Vous connaissez la recette? Si ça vous a plu, un like, un partage, un abonnement, une Fiat Panda. Et au cas contraire, indiquez-moi en commentaire ce que vous n'avez pas apprécié. Bon, je vous laisse, mon portable vibre. Ciao, ciao!